That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette magnifique vue sur Los Santos de nuit, franchement. Ça fait plaisir. Et donc pour le chrono de la semaine, bah oui, c'est parce que c'est surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui en vidéo. Ron, tais-toi s'il te plaît. Donc le contre-la-montre de Vine Hood Hills qui se situe ici. Voilà. Il est à faire en 2 minutes 35 secondes. Et donc bah c'est un chrono qui est pas compliqué en fait. Enfin, du moins en fait, ce qui est compliqué dans certains chronos, c'est qu'il faut couper à des endroits pour gagner du temps. Là, bah vous avez juste à suivre le tracé en fait. Parce qu'il n'y a pas... Ah, vous pouvez peut-être couper ici et encore, je suis même pas sûr. On va voir pendant... De toute façon, je vais vous le dire hein, pendant que je le fais moi, le tracé. Allez, comme d'habitude, on se place au maximum en avant. Voilà, sur le point pour gagner du temps. Et on est parti pour ce chrono. Bon, alors, il va... putain, genre, soyez en pleine gueule, j'espère que ça va pas me gêner. Allez. On va peut-être avoir un peu moins de circulation, par contre, ça sera bien. Et encore, c'est pas dit... Pensez bien à relâcher un peu si vous avez la coup de chou dans les virages, l'accélérateur, parce que sinon vous allez finir tout droit. Vous allez filer tout droit et c'est tout ce qui va se passer. Pas besoin de freiner, juste vous relâcher dans les virages. Après, il y a certains endroits où il faudra freiner, mais je vous le dirai. Là, faites gaffe ici parce qu'il y a sûrement des voitures qui remontent. Et une qui est dans le virage, là. Voilà, ça, j'avais peur que le soleil il me gêne, mais bon, ça va, on l'a pas trop en face. Ça aveugle pas mal quand même. Donc voilà, en entrée et sortie de virage, faut faire attention. S'il y a des voitures partout. Mais le pire, c'est quand il y en a deux qui sont quasiment au même endroit, de la gauche et de la droite, au même moment. Voilà, comme là. Ouais, heureusement que j'ai anticipé. Bon, la vache. Le mieux, c'est de rester sur la route. Hein. Ça, c'était absolument pas prévu. Alors voilà. J'ai fait au mieux. Ouais, là, petit coup de frein à la limite pour pas laisser manger la voiture en face. Là, c'est pareil, c'est un angle droit, donc pour éviter de se bouffer la barrière. Et on est reparti. Là, le virage est vachement serré, donc voilà. Petit coup de frein et on repart. De toute façon, on a largement le temps, vous allez voir. Le temps est très très large. Bah, surtout, c'est parce que je coupe à un endroit, donc du coup, je vais vous montrer comment, mais... Ah, ici, attention, parce que c'est souvent que je sortais et que je me finissais en bas tout à l'heure. Faites attention aussi. Donc là, la barrière, vous voyez, quand elle s'arrête, voilà, vous stoppez, et là, vous allez ici, là, comme ça. Et hop. Hop. Et voilà, après vous coupez ici, jusqu'au pont. Et après... Oh non! Sérieusement, mais c'est un truc de dingue, j'ai vraiment la poisse moi. Mais bon, vous voyez, c'est large. Regardez, j'ai eu le temps de me manger pour battre le temps. Voilà les potes. Faut sur... Le dernier endroit où vous pouvez couper, bah, c'est là-haut en fait, hein, au niveau de la barrière, comme je vous ai montré. Puis voilà, faire attention à la circulation. Je pense qu'il y a largement moyen de le faire en voiture aussi. Hein. C'était peut-être même mieux, je sais pas trop. Enfin, ouais, ça dépend, hein, parce qu'il y a des endroits, c'est quand même tendu avec les voitures. Et voilà, évitez de, comme moi, de vous manger la voiture à l'arrivée, ça serait con. Mais voilà, vous voyez, même en tombant une fois, bah, on a le temps de battre le chrono facilement, quoi. Voilà les potes, en tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À donner votre temps, avec quel véhicule vous l'avez fait, hein, d'ailleurs, comme d'habitude, hein, que je vous dise GG si vous avez battu le chrono. Et puis, pourquoi pas partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à me suivre sur mes réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous serez les bienvenus. Le gros pouce bleu du soutien, je sais pas si je l'ai dit, je m'en rappelle plus. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et pour votre soutien pour ces derniers jours sur les dernières vidéos qu'il y a eu. Vous êtes vraiment au top, on est bientôt 20 000. Ça monte extrêmement vite. Et donc, on se retrouve très vite bah, pour la présentation du véhicule du casino. Merci à tous et à très vite. Ciao.